Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a bravé le froid hivernal pour aller tester donc l'Osmo Mobile 2 qui est donc une nouvelle version du stabilisateur de DJI pour smartphone. Alors ici on a testé donc avec un iPhone 10. Je vous ai déjà fait donc une petite vidéo sur la stabilisation, je vous invite à aller la voir. Ici on va vraiment se concentrer sur ce produit qu'on a déjà testé, vous l'avez déjà vu dans nos vidéos. On a testé avec les trottinettes, on a testé avec le live du HomePod et aujourd'hui on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Alors la principale nouveauté cette année c'est vraiment le prix, puisqu'ici on est moitié moins cher, on est autour de 150 euros par rapport à la première version. Alors ça va vraiment permettre de démocratiser la stabilisation. Vraiment, si vous faites de la vidéo même en famille, vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous en payer. Alors extérieurement il ressemble beaucoup au modèle précédent malgré cette petite couleur grise que moi je trouve très réussie, mais aussi le nouveau modèle est plus léger, moi je trouve plus agréable, un petit peu moins pâteau à utiliser. Après évidemment il y en a qui trouvent que ça fait un petit peu plus plastique, il manque aussi le grip ici au niveau de la poignée, mais bon voilà, il fallait bien réduire les coûts. Alors la batterie est plus interchangeable, ce qui permet d'avoir une petite vis ici, donc c'est très pratique, on peut la fixer sur un pied. Et puis cette nouvelle batterie elle tient 15 heures, elle tient quasiment une journée complète et elle se recharge seulement en 2 heures. Alors la recharge se fait enfin en micro USB, bon c'est pas de l'USB-C mais c'est pas l'espèce de prise jack un petit peu bizarre qui servait sur l'ancien modèle. Et puis ici ça c'est nouveau, on a un port USB donc qui permet de recharger son smartphone tout en filmant, et ça tombe bien puisque le mien est presque à court de batterie. Alors pour fixer le téléphone, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique puisqu'ici on a des pinces donc à ressort, alors qu'avant on avait une grosse vis. Ici la vis elle sert simplement à verrouiller le serrage. Alors l'autre grosse nouveauté cette année c'est l'arrivée du mode portrait, même si il faut en fait déplacer cette partie là donc ça oblige à enlever le téléphone, mais ça permet donc de filmer en mode portrait. Alors vous insurgez pas, aujourd'hui c'est quand même très populaire avec les lives sur Facebook, les lives sur YouTube, avec aussi toutes les stories sur Snapchat et Instagram, donc c'était quand même de bon augure que ça arrive sur l'Osmo 2. Alors il y a quand même quelques petits changements au niveau des boutons. Ici vous voyez que la gâchette a disparu, en fait tout se fait avec le bouton M pour passer entre les différents modes. On a aussi ici la petite molette, on a le bouton d'enregistrement, pour allumer l'Osmo c'est le bouton M qu'il faut presser très longtemps. Et puis dernière nouveauté, donc l'apparition d'un zoom, donc ça c'est un zoom numérique, mais c'est quand même assez pratique en vidéo. Alors ce petit bouton M, si on le presse deux fois comme ça, donc on a l'iPhone qui revient droit devant soi. Si on le presse trois fois, on passe en mode selfie. Mais ces petites fonctionnalités, elles sont souvent disponibles que avec l'application de DJI. Ça va pas marcher avec Filmic ou avec l'application d'Apple. Alors on reviendra pas en détail sur la partie software, mais DJI propose de nombreuses options comme des photos panoramiques ou encore des timelapse, hyperlapse automatisés dont le rendu est vraiment génial. Alors une de mes fonctionnalités préférées c'est l'Active Track, donc qui permet de suivre un sujet. Par exemple ici on a des petites oies, donc il suffit de sélectionner en fait l'icône qui est juste là, de sélectionner l'oie, donc en fait soit de cliquer dessus, soit de faire un petit geste de la main. Et puis le gimbal en fait va suivre son sujet, peu importe son déplacement, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors on va parler un petit peu de stabilisation puisque vous avez été nombreux donc à me demander si la stabilisation optique en fait de l'iPhone 10 interférait donc avec l'Osmo. Alors la réponse est oui, on a fait pas mal de tests et c'est vrai qu'il y a des petits glitches dans l'image, notamment quand on fait des déplacements assez rapide, on voit vraiment qu'il y a une petite saccade qui est pas du tout agréable à l'œil nu. Alors ça en fait c'est lié aux mécanismes de stabilisation qui sont nombre de 3 ici. On a donc l'Osmo, on a la stabilisation optique de l'iPhone 10 et on a encore une stabilisation numérique que rajoute Apple par-dessus, et ça crée forcément des petites interférences. Alors ici on peut désactiver la stabilisation numérique mais pas la stabilisation optique, ce qui nous a quand même permis de faire un petit test donc avec Filmic Pro et de comparer ici en mode zoom. Donc ici on n'a pas de stabilisation, ici on a une stabilisation, et vous voyez que l'image de l'iPhone 10 est beaucoup moins bonne. Du coup moi je vous conseille quand même d'utiliser les applications de DJI et d'Apple qui laissent tous les mécanismes de stabilisation en place et qui finalement permettent d'obtenir la meilleure image. Alors évidemment c'est idéal pour les vlogs, comme ici avec la caméra frontale qui elle donc n'est pas stabilisée, donc il n'y a pas de conflit avec l'Osmo. Et puis surtout il y a un mécanisme donc qui permet de suivre le visage. Vous voyez qu'ici je peux mettre la gimbal de chaque côté, elle va suivre parfaitement mon visage et pas à jouer avec la petite molette. Et ça c'est hyper pratique pour les vlogs. Alors au final moi je trouve que cet Osmo Mobile 2 il a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ils ont vraiment comblé tous les manques de la version précédente avec les petites fonctionnalités, la recharge, l'autonomie. La partie software est aussi vraiment très bien faite. Bref, si vous faites beaucoup de vidéos, que ce soit avec vos amis, que ce soit en vacances, moi je trouve que c'est l'accessoire indispensable, surtout à 150 euros. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, alors n'oubliez pas de nous poser vos questions donc, dans les commentaires, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, on est de plus en plus nombreux. Bien sûr, nous on se retrouve sur nos applications mobiles et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! I